statistiques classe de troisième, les moyennes. Première chose, une définition de quatrième, la moyenne d'une série statistique est obtenue en divisant la somme des valeurs du caractère par l'effectif total. C'est quelque chose d'assez intuitif pour un élève qui est amené à calculer régulièrement sa moyenne. Nous allons prendre un exemple élémentaire. La question est, on pêche 4 truites qui pèsent chacune 650, 760, 430 et 580 grammes. Quelle est la masse moyenne des truites pêchées? Il n'y a aucune difficulté à cet exercice. Et on comprend bien la définition. On calcule la somme des valeurs du caractère. La population étudiée étant ici les truites, le caractère, la masse. Et donc les valeurs du caractère sont ces 4 valeurs-ci. Donc la somme de ces 4 valeurs du caractère divisée par l'effectif total, il y a 4 truites, me donne ce résultat-là. Et on conclut par une phrase que la masse moyenne d'une truite est de 605 grammes. Un peu plus intéressant de niveau 3e, lorsque la série statistique est donnée par un tableau d'effectifs, alors la moyenne est égale à la somme des produits des valeurs par leur effectif sur l'effectif total. Cette phrase-là étant compliquée à bien comprendre, le plus simple est de faire un exemple. On relève les notes obtenues par des élèves d'une classe de 3e à un devoir de mathématiques. Elles sont récapitulées dans le tableau qui est donné, donc avec les notes en première ligne et les effectifs en deuxième ligne. Il faut bien comprendre ce tableau-ci. Un élève a eu 7 sur 20, deux élèves ont eu 8 sur 20, deux élèves ont eu 8,5, etc. On me demande de calculer la moyenne de la classe. On effectue donc la somme des produits des valeurs par leur effectif, c'est-à-dire 1 fois 7, comme ici, plus 2 fois 8, plus 2 fois 8,5, plus 4 fois 9, plus 4 fois 10, plus 6 fois 11, plus 3 fois 13. Donc c'est bien une somme de tous ces petits produits en colonne, qui sont le numérateur de ma fraction ici, divisé par l'effectif total, 1 plus 2 plus 2 plus 4 plus 4, etc. Lorsqu'on effectue le calcul, on tombe sur 270/24, soit 11/25, qui permet de conclure que la moyenne de classe est de 11,25.